et justifie le licenciement la salariée qui demande à une collègue si elle a un god dans son sac car ça fait du bien aux toilettes, puis qui regarde une autre et lui dit en plein repas: j'adore sucer des bites. Pas toi? Est-ce que c'est des conversations de collègues de boulot? J'ai tilté sur le moment, je dis mais moi j'ai jamais bossé en entreprise, moi. Ken en plus en entreprise. Ah oui, alors moi qui suis encore en entreprise, non. Mais peut-être pas toi. Moi je vite et sèche depuis 2007. Pas direction depuis 92. Il faut être jeune pour baiser en entreprise. Les entreprises où il y a de l'oseille, les mecs de 50 ans. Moi, moi en Normandie, un jour j'étais choqué. J'ai fait une soirée un jeudi en boîte, c'était les after work à Rouen. Ouais. Et j'étais choqué, j'étais le plus jeune, j'ai 30 ans. J'étais le plus jeune de la boîte. Mon pote qui avait 40 ans qui m'a dit: viens frère, c'est trop marrant. Et vraiment, je voyais en haut à l'étage, t'avais tous les patrons de 50 ans avec leur petite secrétaire de 30-40 ans, tu vois. Mais c'était bordel. Hein. Et j'avais l'impression, et je me suis dit: putain, c'est cool, il y a une jeunesse après la vieillesse. Ouais, tu t'étais dit: si jamais je finis patron de PME, ça va aller quoi. Bah ouais, non mais. Je baisserai encore. Un peu quoi. Comme ça. Non, c'est des grosses boîtes, mais je me suis dit: ah ouais, en fait. En fait, c'est pas l'âge, c'est surtout l'étude. Donc. Parce qu'en fait, le mec, il a des études. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Parlons vrai. Tu baisses plus quand t'as de l'argent. Donc, ça, c'est évidemment. Vraiment... Mais cette meuf là, je trouve que pour ces deux blagues, ça va trop loin de la virer immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement rare d'avoir une meuf qui ose ne serait-ce que dire le mot god en contexte. Ça se voit qu'elle est fun, cette meuf. Après, si c'est tous tu les jours, je peux pas la virer quoi. C'est pas tous les jours, elle a sorti deux trucs. Après, si la meuf elle est avec son sac qui vibre comme ça, c'est sur la table. Si elle commence à mettre son god comme ça dans la bouche pendant, en pleine réunion, là peut-être effectivement. Sur la table, ça vibrait, c'est sûr qu'elle lui pose la question. Puis, bah, si elle est en pleine présentation PowerPoint, elle a fait: moi j'aime sucer des tubs, et toi? Effectivement. Mais c'est marrant, où je pense qu'en fait, c'est typiquement la meuf qui cherche des amis au boulot. Tu sais, il y a plein, y a beaucoup de solitude. Et de gars, mais bien sûr, de solitude dans le monde. Mais c'est pour ça que aussi, je suis désolé de dire ça, mais certainement les gens qui sont des gens seuls, est-ce que c'est pas un peu des losers ce jeu de... Un moment, genre, faites-vous des amis de manière cool et pas en leur disant: j'aime sucer des tubes. Tu sais, chacun où est placé la... Ça dépend c'est quoi la boîte. Si ça se trouve, elle bosse chez Dorcel et on sait pas. Ah oui, ouais. Putain, par contre, tu te virais de chez Dorcel parce que tu dis ça. Là, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et puis, je me dis: comment t'as rencontré ta copine? Alors, elle, c'est parce qu'on est copains depuis le collège. Elle, c'est parce qu'on est parti en vacances. Et elle, c'est parce qu'on a notre passion, c'est qu'on aime bien sucer des bites. Passion de toutes les meufs. Allez hop, c'est parti. Allez, voilà. Et un TikTok, c'est allez, parti. Allez hop, c'est parti. Encore me faire engueuler, moi. Tout pour le buzz.